son et Naouzi quand il joue au piano, c'est magnifique. Là, il y a texto, trois notes. Hein. Pour moi, la magie de Naouzi, c'est avec peu de notes, il fait de la musique incroyablement touchante. Et après, il va doubler la tierce. Et c'est juste incroyable comme il va donner vie à ces quatre accords. Il déroule avec douceur, mais par contre avec toucher, juste magnifique. Hello, je me réjouis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse d'une version d'Einaudi en concert restreint au Tiny Desk Concert. Il est avec trois autres musiciens, violoncelle, violon, lui au piano et un percussionniste. Et il nous fait ses plus grands tubes au piano. C'est juste magnifique, c'est tout en douceur, en sobriété. Je vous invite à découvrir tout ça. Ok, il commence avec son morceau Expérience. Très très beau. Donc là, c'est génial. J'ai pas envie de parler sur cette musique tellement elle se suffit elle-même et il pose toutes les choses. Je vous invite à écouter ça avec des écouteurs, avec des bons haut-parleurs chez vous parce que on se fait vraiment embarquer. C'est la force d'Einaudi dans les musiques de films qu'il a composées pour Intouchables et pour d'autres longs métrages. Et dans ses concerts, c'est pas complexe au niveau harmonique, au niveau technique non plus, mais c'est diablement bien interprété et avec peu de notes, il va venir vraiment poser. Il fait quoi? Il va juste venir poser comme ça. Donc là, on a quatre accords. Fa dièse mineur, La majeur. Après, il va sur Do dièse mineur, ici. Et un Ré, apparemment Ré, avec majeur 7, donc le Do dièse. Et c'est tout. Quatre accords. Et il va beaucoup jouer avec ça, il aime bien. Et je pense que c'est peut-être comme ça qu'il compose, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ça me... Peut-être qu'il commence comme ça. Et après, il cherche des basses pour harmoniser ça. Après... Et je trouve ça magnifique, comme il vient poser ça, le violoncelle vient apporter... cette basse et ce frottement qui est génial, on écoute la suite. Okay, je fais ça après. C'est intéressant ici. Vous avez vu, sur l'accord de Do dièse mineur, il va venir jouer comme ça, qui donne ce relief, et après, il va faire la même chose. Et là. Donc c'est très sympa de voir, sur le troisième accord, il change un petit peu pour casser la redondance, avec des notes très proches ici, des demi-tons, et ici. Sinon, grosso modo, qu'est-ce qu'il a fait? Il joue avec la tierce de l'accord de Fa dièse. Là, il garde la même chose sur le La. Là, il change un petit peu sur l'accord de Do dièse mineur, où il va jouer la quinte et la sixte aussi. Et là, après, il fait la même chose, mais il va monter d'une tierce pour faire le même système, mais plus haut. Et ça donne une nouveauté qui arrive plus aiguë. Thank you.
arrive avec ce petit thème. Toujours les mêmes accords. Ah, là il vient entendre ça. Faire les basses plus présentes. Il joue vraiment piano, voire pianissimo. Thème carré. Ok, magnifique ici. Donc il tourne avec ça, on a vu. Et après? On a ce thème qui arrive au violon, qui est très très beau, qui vient monter. Donc on est parti de la fondamentale de Fa dièse, après depuis la tierce, et maintenant depuis la quinte, il va faire ce thème. Magnifique. Et le dessous, il va continuer à faire ça, mais il y a ce violon qui développe ce thème. Et c'est ça qui, pour ça, il est très très fort, je trouve, Ludovico Einaudi, c'est qu'il développe son idée. C'est toujours la même idée de départ, mais il la développe, il l'enrichit, il l'appauvrit, il la prend un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, un peu plus rythmé, un peu moins rythmé. Et ça donne des morceaux qui nous emportent, on le suit avec bonheur et il nous touche en plein cœur. Ça rime en plus. Là, c'est très joli. Il va faire... Il va faire le thème, mais dessous, il va mettre un arpège pour dérouler ça. On peut faire les basses ici, ou venir faire un peu... peut-être quelque chose comme ça. Ça donne très très bien, c'est très joli, donc il fait l'arpège. Et il adapte les notes dessous à l'accord. Quand il est sur le La, il va faire Mi, La, Do. Quand il est sur le Do dièse, il va faire Mi, Sol dièse, Do. Et après, sur le Ré, il va faire le Do dièse toujours en haut, Fa dièse, Ré. Et c'est ça, encore une fois, il revisite son thème et il le développe. Il revient plus calme. Là, c'est clair, hein. Si les musiciens ne sont pas dedans à 1000% et qu'ils n'interprètent pas chaque note avec le cœur, ça ne sonne pas. Et ils repartent. Vraiment tout en douceur. Hein. Voilà, écoutons ici, ils développent autre chose. Et ils repartent. Très beau ici, les cendres. Ça, c'est génial.
Donc là, moi, j'aime bien Ludovico Einaudi parce que sous ses airs de pianiste discret, qui joue pas fort, qui a des thèmes simples au niveau de l'architecture du thème, mais encore une fois, simple ne veut pas dire moche, au contraire, se cache un très bon pianiste. Au niveau du toucher, de l'intention, et là, d'un coup, sa petite main gauche, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle nous fait une descente sur, là, quand il arrive à la fin, je ne sais même pas si je vais réussir à le faire. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait. C'est tout bête, hein? C'est la gamme de Fa dièse mineur qui me permet de relancer. Mais techniquement, hein, je vous invite à essayer de le faire quand on est sur le Ré. Et bien, caler, c'est pas facile avec les deux mains. Donc là, lui, il nous place ça tout en douceur, tout en légèreté. Et là, on voit que il est très talentueux et il a beaucoup de dextérité et il est tranquille. Repris par le violoncelle aussi. Intéressant ça. Génial la fin. Donc ici, et là c'est sympa, il fait. Et il s'arrête en suspension sur le dernier temps du dernier accord. Et ça, je trouve assez génial de finir comme ça. Et ce petit truc de base, vous avez entendu ? Pom pom. Pom pom. Et il finit ici. Okay. Alors c'est assez chouette de voir ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de ce live, de ce concert en petit comité de Einaudi. Franchement, avec quatre musiciens, il y a un son magnifique, il y a une très belle atmosphère qui se dégage de ce concert. Je t'invite à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Et puis, si t'as pas tout compris, ce que j'ai fait au piano, les termes que j'ai utilisés, comment je fais pour analyser ça, pour essayer de comprendre les accords, réussir à le rejouer rapidement sans avoir à déchiffrer une partition, eh bien, je t'invite à aller découvrir la formation offerte que je t'ai mise en description juste ici, dans laquelle je te fais entrer avec moi dans les coulisses de la musique, dans les coulisses de l'harmonie et de la compréhension de ce monde grâce auquel tu pourras jouer avec beaucoup plus de plaisir, de liberté et de spontanéité en osant jouer ta propre musique. Moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si tu as d'autres idées d'événements comme ça en live, comme on vient de le faire, que tu dis « Ah ouais, ça j'ai découvert une pépite ici, j'aimerais bien que tu l'analyses », mets-le-moi en commentaire, ça me fera des idées pour des prochaines vidéos et j'aime toujours m'inspirer de vos idées. Prends soin de toi, amuse-toi au piano, fonce découvrir cette formation en description et je te dis à très bientôt. C'était Norton Napromusic, ciao.